tous, ici c'est Barcilou qui va essayer de reprendre le jeu Naval Warfare que j'avais un peu laissé de côté dû à sa trop grande difficulté. Ça m'avait totalement dégoûté, donc je vais peut-être baisser le niveau de difficulté, quoique je l'avais déjà baissé auparavant. Ah oui, comment jouer? Paramètres. Commande, voilà. Manette Xbox. J'ai un peu oublié comment se manie cet engin. Donc accélérer, donner les ordres. Donner des ordres à une escouade. Tirer une torpille, poser une mine. Arme spéciale, changer de torpille, changer d'arme. Accélérer. Donc j'ai été toujours au chapitre 1, épisode 2, c'est pas possible. Facile. Ce coup-ci je vais me mettre en facile. Scorpion bombers. A lot of them. Are they joining the victory parade? Wrong direction. They're headed towards our central bases. No, they wouldn't do that. We're at peace. All those coursers, the Gothian artillery ship. I'm ruling out sightseeing. Adventure of a different sort, I'm afraid. We'll move to intercept. Captain, just to remind you, I've never actually served as chief engineer on an active warship. To your post! Aye, aye, Captain. Okay, déjà y a un problème. They just keep coming. Do the Gothians even have that many airplanes? Sadly, I fear they have plenty more. Let's see what we can do, shall we? Voilà, c'est parfait. Ok. Que voyons un peu comment se manie cet appareil. Ok, ça c'est une torpille. Ça on change fusil moyen, mitrailleuse Gatling. Torpille Anaconda, torpille téléguidée. Ok. Comment on tire avec la
La tourelle du dessus, là. Bon, bref. Ah bah voilà. Did they send the entire Gothian Air Force? The bombers, Captain. Focus on them before they tear the factory apart. Ça va tout de suite mieux, facile, je trouve. This is the Imperian base, Sylvania. We are under heavy attack by sea and by air. It's those backstabbing Gothians. We require immediate aid. Repeat. How bad is it? How bad? The radar is going crazy with enemy units. I do like a challenge. This is Captain Gray. Sylvania, hold tight. We are sailing to you at full steam. Let's hope we can get there in time. En un coup, je peux les avoir, dis donc. La base, elle baisse dangereusement là, il faut que je me magne. Captain Gray, it's an honor to meet the hero of Bullock Falls, but you could only bring one ship? I've learned never to underestimate this old cruiser, and I can't really afford to start now. Morgothians, we're being overwhelmed.
protect the base facilities. They're coming so fast. We're not dealing with disorganized pirates anymore, Edison. Clear. You've certainly earned your reputation today, Captain. Alas, reputation will not help us against all those bombers we saw. Well, it's not much, but you should take advantage of our warshop to install upgrades to your ship. Ah, cette fameuse boutique militaire. Dans la boutique militaire. Vous pouvez changer l'équipement de votre vaisseau, le rééquiper. De nouveaux types de vaisseaux, les armes et mises à niveau sont déverrouillées lors de la campagne. Choisissez un des trois types de vaisseaux ci-dessus et équipez-le de une à trois armes différentes en utilisant le volet de gauche. Utilisez le panneau de droite pour l'équiper de une à trois mises à niveau. L'effet de mise à niveau est cumulatif. Vous pouvez réinitialiser votre vaisseau et équipement à chaque fois que vous entrez dans une boutique militaire. Visiter la boutique vous permet également de restaurer la santé et les munitions de votre vaisseau. Ok, croiseur. C'est quoi ça? Rechargeur augmente la vitesse de tir. Obus explosif augmente les dégâts infligés. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ok, chapitre terminé, difficulté facile. On sent bien la différence entre la difficulté facile et la difficulté moyenne et difficile. J'avais pris la difficulté difficile et je me suis planté lamentablement. J'ai rechangé pour la difficulté moyenne, là aussi quasiment infaisable. Et la difficulté qui est facile, là, elle est vraiment facile. I hope you got what you needed, because the Gothians have surrounded our last defensive fleet in the area. You're the only one equipped to handle it. Faut vraiment que j'apprenne à accélérer ce putain de vaisseau. Est-ce qu'il faut que je me dirige? Quel est le but de ma mission? C'est par là-bas. Oh.
Qu'est-ce qu'il fait? Il largue, il dégaze ou quoi? Listen, I've tapped into the Gothian's frequency. Operation Vise has been a complete success, but there do seem to be a few resilient enemy ships. I'm sending one of our prize cruisers. You know your duty. I want no enemy survivors. The Gothians mean business, but as it so happens, I know this game. Oh my. Talk about swatting a fly with an armored juggernaut. Watch out for that torpedo battery! Merde! Qu'est-ce que c'est ça? Faut pas que je m'approche trop près de lui. Je l'attaque à distance parce qu'il va m'attirer. Oulala. Il m'attire. Anaconda. Je vais mourir là, je le sens que je vais mourir. Aïe. Talk about swatting a fly with an armored juggernaut. Watch out for that torpedo battery! Faut que j'évite d'être en face de lui. Aïe. Ah, ça y est, il m'a. Ah. Il faudrait que j'arrive à trouver comment accélérer, putain. Ah là là. Aïe.
Putain, putain, c'est pas évident, ça. Hey, my. Talk about swatting a fly with an armored juggernaut. Watch out for that torpedo battery. Ah voilà, ça y est, putain. Arrête de tourner comme un con. Amazing. A mere cruiser taking down something at least five times its size. You loved it. Admit it. Yes. Well, the Sylvania base has adequate protection for now, but unfortunately, they now know we're here. Who? The Gothians? No. High Command. And Edison, I'm afraid you're not gonna like it. Chapitre terminé. Ok. Ça a été rapide. Durée
du chapitre 11 minutes, vie perdue 2, pénalité du score 2, score 0, ennemi tué 22, objet trouvé 0. Bon. Une partie peu équitable. Ah, nous sommes montés en grade.